柱たち時を越え真空の地震をが立ち上がる勇気を引き合わせる受け継ぐ愛を定めと呼ぶなら微笑む目で月の手を闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの隙を突け貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version Artefact. Donc dans cet épisode on va commencer la région de Johto, donc je sais pas encore si je vais appeler cet épisode la saison 2 ou si ça sera peut-être la suite de l'aventure, je pense qu'on va peut-être continuer un peu la suite de l'aventure. Ok, je me disais bien, j'avais activé le menu, il n'y a rien qui s'affichait. Bon, pour moi, j'ai encore la même équipe. Je pense qu'il faudra que j'essaie de changer lorsque j'arriverai à Johto, parce que normalement, on peut recommencer à zéro. La Pokégolfière est prête à décoller. Il est le temps de monter à bord. Donc, finalement, il y a plusieurs moyens de toute façon d'arriver à Johto. Vous avez peut-être vu déjà, j'avais éclairé à la Montgolfière. Ou lors du précédent épisode, j'étais passé aussi par une route, on est arrivé, je crois, vers ici. Viens juste de changer de région pour s'adapter à ton équipe de Pokémon. Donc, finalement, par là, il y a en dessous de la route Victoire. Vous avez peut-être dû voir lors du dernier épisode, si jamais vous l'avez suivi. Bon, c'est un épisode où il y avait surtout de la musique un peu en fond, et j'étais en train de parcourir quelques routes. Alors déjà pour la simple et bonne raison, c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo pendant un moment, c'est que j'avais plus de micro, vu que j'avais déjà tourné pas mal d'épisodes en avance, j'ai pu vous en poster quand même régulièrement. Mais sinon, ouais, j'avais plus de micro, donc je ne vais plus tourner des vidéos. Maintenant, il y en a un nouveau j'ai acheté un nouveau micro, donc c'est pour ça que vous entendez peut-être aussi un nouveau son. Je teste un fangame en vidéo pour diffuser sur ma communauté sur YouTube. N'hésitez pas à venir liker la page et me lâcher un pouce bleu. Carrément, mais tu as une référence à un YouTuber. Bon, y a pas le nom du YouTuber, donc je sais pas vers qui ça fait référence. Savais-tu que Bourgeon a failli s'appeler le Noël Corse, mais heureusement on a évité le drame. On visite un peu pour moi. Oh, on a su Marie, carrément. Célesta est une fille pleine d'espoir et de compassion. Pourtant, elle n'a jamais vécu des moments joyeux, loin de là. On a perdu nos parents il y a quelques années. Quelque chose s'est brisé en elle à cette période. Elle passait son temps dans son lit en pyjama et regardait le vide à travers la fenêtre. Mais un jour, je ne sais pas pour quelle raison, elle a totalement repris goût à la vie. Je préfère l'avoir heureuse que de ramasser le passé continuellement. Ressasser le passé plutôt. Parce que ramasser le passé. Maison de Célesta, ok. Là, ça va être la maison de Gold, je pense. Oh, Nevoli, carrément. Gold est un enfant très sûr de lui. Il considère ses Pokémon comme ses meilleurs amis. C'est sûrement sa plus grande force. Ok, donc là, il n'y a rien. Ah d'ailleurs, c'est vrai que je voudrais peut-être que je vous dise aussi, mais cette saison 2 à Johto, déjà, on va reprendre une nouvelle équipe, et on va essayer le professeur, mais étant donné que c'est maladroit, malgré tout, c'est un expert en fonction des Pokémon. Ouais, donc on va faire cette saison 2, donc cette aventure à Johto, avec un challenge un peu particulier, donc ça va être le Jojo Challenge. En gros, c'est une aventure normale, sauf que tous les Pokémon que j'ai capturés, vont s'appeler Jojo. Voilà. J'avais pas envie de faire un truc trop compliqué, que ce soit un Nuzlocke ou autre chose, pour le moment, on va faire ça. Êtes-vous sûr, le garçon avait des cheveux rouges? Oui, j'en suis certain. Très bien. Votre déposition est à mienne, faisant compte. Nous ferons notre maximum pour retrouver ce voleur. Je retourne au poste de police. Je tiendrai informé. Merci, monsieur l'agent. Non, je suis pas celui avec les cheveux rouges. Conserorme. Ça ne va pas me faire peur comme ça. Je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Je me nomme Dr. Chips, je voulais obtenir l'un de mes Pokémon Starter. Je suis enchanté de faire ta rencontre, mais tu tombes mal. Tu dois te demander pourquoi j'étais à l'instant avec la police. Un de mes Pokémon Starter que j'ai élevé pour les dresseurs débutants a été volé par un malfrat. Un jeune dresseur était témoin de la scène et a poursuivi le voleur. Oh, je suis navré, j'arrive au mauvais moment. Je dois t'avouer être inquiet pour ce petit hérisson qui a été volé. Accepterais-tu d'aller aider le jeune dresseur qui est parti à la poursuite du voleur? Oui, à quoi ressemble-t-il?
C'est un garçon habillé en jaune, en noir avec une cassette, tu ne peux pas le rater. Il s'appelle Gold. Il est parti en direction de la route 2. Très bien, je m'en occupe. Ouais, déjà en prendre. Je crois qu'il y a un bug de toute façon là. Là, de toute façon, on arrive dans une partie de la région qui n'est pas encore finie. Je vais déposer mon équipe d'ailleurs. Et ouais, j'ai déposé, préparé deux nouveaux Pokémon, donc Jonette, un Founette, et Joe Sirène, donc un Poissirène. Que j'ai déjà un petit peu monté, genre niveau 7 et 8, pour éviter d'avoir des Pokémon niveau 2, 3, ou vraiment d'arriver et de se faire tout de suite défoncer. J'ai prévu aussi d'autres Pokémon, mais on va peut-être les prendre un peu plus tard. Il faudra que je sauvegarde assez régulièrement, parce qu'apparemment, il y a pas mal de bugs sur cette région. Vu que c'est une région qui n'est pas encore totalement finie. Voilà. Donc, le Lalayut, je sais pas s'il aura déjà changé ou pas, je pense que non. Là, maintenant, je pense qu'il changera à ce moment-là. Je vais quand même vous présenter déjà les deux nouveaux membres de l'équipe, hein, la nouvelle équipe. Donc, Jonette, Founette de type normal, nature lâche, donc plus défense, moins défense spéciale. Regard vif, pas ouf. Griffe, clairvoyance, boule armure et vive attaque. Voilà. Et Joe Sirène, donc poids sirène de type eau, avec glissade, moins défense spéciale, plus défense. J'ai l'impression qu'ils ont la même nature. Pic-pic, mimiqueux, tourniquet, ultrason. Je sais pas si je peux pas lui apprendre une attaque, genre surf. Au moins, il aurait une petite attaque de type eau. Je pense pas qu'il puisse tout de suite apprendre surf, mais on sait jamais, non. Dommage. Est-ce que Jonette peut apprendre force? Non plus, bon. On va faire ça alors en attendant. Et je vais tout de suite sauvegarder cette aventure. Vous voyez aussi que mon Pokédex est passé à 203 Pokémon sur 258. Alors j'en ai capturé pas mal, en gros j'ai quasiment fini le Pokédex de Kanto. Tous les Pokémon qu'on peut avoir en Kanto, je les ai capturés. Les Founettes sont des Pokémon très vifs. Ils sont très attentifs au danger. C'est pour cela qu'il faut se mettre régulièrement debout. Ils se mettent régulièrement debout sur leur queue. Ils observent toutes les choses qui se rapprochent. D'ailleurs, il y a quelque chose que je veux voir aussi. Est-ce que j'ai pas peut-être un mouchoir soie ou des objets à faire tenir mes Pokémon? Multex, on va peut-être attendre pour le moment. Ouais, j'ai des joyaux. Un chance, on va peut-être aussi éviter. Pierre éclat, j'ai pas l'impression. Evoluroc, allez à la rigueur. Et le reste, non, j'ai pas vraiment l'impression. On va rester comme ça. On aura peut-être un peu moins de dégâts. Bon, c'est peut-être un peu cheaté, j'avoue, un début d'aventure. Un out-out, ça peut être sympa. Peut-être essayer de le capturer quand même. Ah, par contre, je sais pas si j'ai mis les animations. Ok, c'est bon. J'essaie de capturer parce qu'il faut encore remplir le Pokédex et essayer de capturer un maximum de Pokémon. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai gardé mes balls et tout ça. C'est un peu cheaté quand même. Hein. Surtout avec des hyper balls pour capturer des Pokémon niveau 5. Ça pourrait être sympa en vrai, j'avoue, d'ajouter un Hoothoot dans l'équipe. Mais je pense pas. Pour moi, déjà, ces deux Pokémon me suffisent. On verra après sur quoi je tomberai. Niveau. Oh, tempo vol! C'est pas mal ça. Après, j'ai vu, ouais, le type temporel, il n'y a pas vraiment d'attaque, de bonnes attaques pour le moment. Il y a quelques attaques. Ah, un Founette. On va essayer d'expliquer quand même aussi un peu, même si on est niveau 8, ça fait pas de mal. Allez, vive attaque. On tue presque. Bon, par contre, je sais pas ce qu'ils ont tous à me faire clairvoyance, hein, clairement. Dernièrement, j'ai prévu de faire un générique aussi pour cette série, alors je sais pas si j'aurais réussi à le poster pour cet épisode. Ouais, quoi, il y a des troncs d'arbres clairement, c'est un tronc d'arbre qui bloque le chemin. On va peut-être le débloquer plus tard. Et je vais voir d'ailleurs Hoothoot, c'est vrai qu'on l'a pas regardé, est-ce qu'il a peut-être déjà de nouvelles attaques? Il a hypnose, charge. Niveau 5, il a déjà autant d'attaques, ça m'étonne. C'est moi, il a la même nature que les autres Pokémon. J'ai que des Pokémon lâches en vrai. Je sais pas ce qu'il y a d'autre encore dans cette zone. Ratata, bon, du code basique. Comptez sur moi pour essayer de faire, pour attraper pas mal de points. D'ailleurs, c'est vrai que Hoot, je l'ai pas appelé Joe Hoot. Ouais, je vais vraiment, je pense, renommer que les Pokémon que je vais peut-être prendre dans l'équipe. Une potion, ok, c'est pas mal. Un bon début. Donc ouais, ça fait vraiment bizarre maintenant de reprendre Johto, il y a des mystères ici, ok. C'est bizarre de prendre Johto parce que j'ai jamais pris du coup sur Artefact. J'ai jamais commencé, j'avais fait Kanto déjà, j'avais battu la ligue, j'avais capturé Mewtwo sur l'ancienne version. Ouh, quel artichaut, c'est propre ça en vrai. J'hésite à le capturer, bon j'en ai déjà un. Je peux pas m'échapper. Quoi. Mais c'est propre parce que les canartichauts qui sont quand même déjà assez rares dans d'autres zones, on peut en trouver ici. Je commence tout juste mon aventure, j'ai encore de mal à viser les Pokémon pour les attraper. Ah tiens, le professeur Shen et Orm. Enfin, il rigole. Et Orm. Docteur Chips, tu es là aussi?
Oui, le professeur m'a demandé des Tegold, mais il m'a pas dit que vous étiez ici aussi. Je venais à peine d'arriver à Bourgéon, lorsque j'ai vu un jeune dresseur sortir du laboratoire du professeur Orme. Lorsqu'ensuite Gold lui a couru après, je me suis douté qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Qui est-ce, professeur Chen? Il s'agit de Dr. Chips, un jeune dresseur du Bourg-Palette. Enchanté, Dr. Chips, je suis Gold, comme tu as dû le deviner. Enchanté de te connaître, Gold. Oh, le voleur et le voleur dans cette histoire? Oh, on s'est affronté, mais il a réussi à me battre. Tu as fait de ton mieux, Gold. C'est le principal. Retournons au laboratoire à prévenir le professeur Orm de la situation. Et il pleut dans le bâtiment, ok. Pauvre Irissan. Espérons que cela prendra soin de lui. Merci pour ton aide, Gold. Tu peux repartir à l'aventure, je me s'occupe du reste. Très bien, professeur. J'espère qu'on se reverra, Dr. Chips. Oui, moi aussi. Vas-tu rester dans la région, Dr. Chips? Oui, je compte bien commencer mon aventure dans la région. C'est parfait. Professeur Orm, avez-vous un Pokémon à confier à Dr. Chips pour qu'il débute son nouveau voyage dans la région? Oui, bien sûr, reste dans la machine. Prends celui que tu veux. Tu as un espace de stockage si tu souhaites changer d'équipe. Bon, j'ai déjà changé. Les Pokémon renferment les Pokémon du professeur Orm. Bon, là, j'avais déjà vu qu'il y a un petit bug, on peut pas encore récupérer les Pokémon du professeur Orm. Donc, j'aurais pas des récents de Caminus ou de Germignon. Ouais, parle d'œufs Pokémon. Donc, tant pis, faudra faire 100 pour le moment. C'est pour ça que j'ai aussi changé un peu d'équipe, j'ai préparé de nouveaux Pokémon, sinon j'aurais direct pris. Il y a des Houtoutes sauvages carrément. Ça peut être bien pour le chasser en shiny, ça, j'avoue. Ouh, Granibol. Bon, c'est pas le Pokémon le plus intéressant. Il est même un petit peu faible. Il a que Trempette, d'ailleurs. Mais ça pourrait être sympa. Ça me fait penser à Pokémon Antica, d'ailleurs, où j'avais aussi un Granibol. Niveau ball. Allez, Pokéball, quand même. Ouais, je verrai. Je pense pas que je vais le prendre. On va quand même l'appeler Johnny Ball, dans le doute. Faut déjà voir ses attaques qui sont type plante air, ouais. On va le renommer. Johnny Vol, voilà. Quel type à lâche? Je sais pas ce que j'ai, mais ça fait quand même 4 Pokémon que je capture et qui sont lâches. Sun et les altérations d'état sous le soleil. Bon, il a creux trempette, donc c'est pas ouf. Faudra que je le voie, il va le faire évoluer peut-être en off ou voir s'il apprend pas d'autres attaques. Bon, Out on a déjà. J'aurais peut-être aussi de l'XP entre les épisodes, on verra. Pour moi, ça a l'air d'aller niveau 3. Bon, c'est la première route, donc pas s'étonner non plus. Mais ouais, ça fait bizarre de reprendre l'aventure comme ça. Avec des Pokémon bas niveau. Difficile d'escalader la route 217, c'est un Pokémon pour aider. La plupart des dresseurs partent d'Evenel pour redescendre la montagne. Route 19, c'est pas vraiment la route 217. Ça va être l'ancien nom de route, je pense. J'ai capturé un Rakaillou, ok. Ce qui n'aurait pas autre chose que des Rakaillou. Et j'ai l'impression qu'il y a un repousse là-bas. Bon, pief avec niveau 6 quand même, hein. J'ai bien fait d'XP. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que j'ai déjà fait l'autre région, j'ai encore les objets que j'avais avant, genre le multi-exp, si jamais j'ai envie d'XP des Pokémon, ou même l'œuf chance que j'ai réussi à récupérer. Ça me permettra d'XP un peu plus facilement mes Pokémon. Je vais changer d'ailleurs, j'hésite à mettre... Rakaillou, ouais, c'était pas une bonne idée non plus. Après, avec Jonette, on peut pas faire grand-chose. Mettre poids sirène. Bon, on va déjà augmenter Jonette niveau 9, et ensuite, on verra pour mettre poids sirène devant. Bon, c'est à que des Rakaillou, ça va pas être marrant. Et ça m'intéresse pas en vrai d'en prendre. Piafabec encore, bon. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Après, j'essaierai peut-être de regarder aussi un peu en off ce qu'il y a dans les herbes. Peut-être que je peux trouver des coins intéressants pour l'équipe, ou carrément... peut-être rencontrer des shiny ou même remplir le Pokédex. Oh, il résiste carrément, ce petit Piafabec. J'ai l'impression qu'on résiste vraiment bien en vrai avec les Volurock. Ça fait plaisir aussi. Et on va mettre juste Sirène devant. On va aussi lui mettre les Volurock. Vous avez d'utiliser trop d'objets de soins, vu que les Pokémon sont encore assez faibles. D'ailleurs, je dois vous tenir aussi informé, mais normalement cette région n'est pas finie à 100%. Est-ce que c'est un dresseur ça?
Et toi, voyons le cas de nous deux le plus fort. Donc évidemment, cette région n'est pas encore terminée à 100%, en tout cas dans cette version, dans la version 0.7. Donc on verra peut-être dans la prochaine, l'aventure s'arrêtera sûrement un moment lorsqu'on sera bloqué. Je sais pas exactement où jusqu'où est-ce que ça va. Évidemment, les arènes sont pas encore dispo. Enfin, on peut les... non, je crois qu'on peut même pas encore les faire parce qu'il faut avoir fini les 10 épreuves. Évidemment, il n'y a pas encore les 10 épreuves dans cette version. J'essaierai quand même de me renseigner un peu pour voir jusqu'où ça s'arrête. Mais ouais, donc vous étonnez pas si jamais à un moment l'aventure s'arrête comme ça. Je ferai peut-être quand même un dernier épisode pour présenter déjà un peu l'équipe, tous les coins que j'aurais capturés, en attendant la suite. Il n'y avait qu'un Pokémon. Des baies ici encore récupérées. Bon, on va quand même les prendre, même si ça me sert pas à grand chose. Bon bah c'est les débuts de toute façon hein. Essayer d'XP de nouveau face à des connes assez faibles. J'espère toi que l'équipe que j'ai actuellement vous plaît déjà, les deux nouveaux Pokémon. Jonette et Joe Sirène. Même si Joe Sirène au final c'est un mâle. Mais sans ça il évolue pas en poisson roi. C'est la petite douille. Allez, deux baies, on va les récupérer. Bon, je pense qu'on va quand même essayer peut-être de récupérer l'œuf. Ou d'arriver là où normalement il y a l'œuf Pokémon. J'essaie de voir à peu près jusqu'où on pourrait aller dans cet épisode. Les sourcils de Hoot ont la forme d'aiguille d'horloge. C'est peut-être pour cela qu'il peut courber le temps. Qu'il peut courber le temps, carrément. Oh, encore un Hoot là-bas. Oh, ça c'est propre. Un petit Jonette Shiny. J'hésite, est-ce qu'on le capturerait pas, clairement? Ça serait propre, en espérant qu'on le tue pas. Mais il est beau en vrai, je pensais pas qu'il était aussi beau. Petite surprise, là, en début d'aventure. Ok, on le tue pas. On verra sa nature. Allez, Pokéball, même si finalement faut pas jauger un peu sur sa nature. Okay. Il est rentré, c'est parfait. Mais ouais, en vrai, il est beau, Funet Shiny. Bon, bah, on va l'appeler Jonette. Allons voir sa nature. Naïf. Bon, déjà, c'est une autre nature. Plus vitesse, moins défense spéciale. Ça va. Faudrait que je l'XP un peu, mais j'avoue qu'il est stylé. Je n'ai que des Pokémon qui possèdent deux types. Je vais te les montrer. Ok, un petit combat. Mimigal, ouais, c'est vrai qu'il a deux types. Ça m'arrange au final, parce que Poissirène est à pic-pic, donc c'est super efficace. Et ça le tue pas. En plus, c'est vrai qu'il y a l'appui, dommage que j'ai pas d'attaque de type haut. Ça aurait vraiment été super efficace. Et Hoot, ok. C'est vraiment pas difficile pour le moment. Toi, est-ce que t'es aussi un dresseur? J'ai renommé un Pokémon que je viens de capturer. J'espère qu'il se sentira plus amical envers moi si je lui donne un petit nom unique. Ouais. C'est pareil. Oh, Capumain, Vilgirot possède un centre Pokémon où tu peux y soigner tes Pokémon. En plus, les infirmières sont super canons. Moi, je pense que c'est les mêmes que dans chaque région. Ouh, pas mal de trucs, c'est quoi là-bas, c'est un échange ou c'est encore un duel de cartes? On sait jamais. Merci de leur patienter, nanana, ouais. Je cherche un Nidoran mâle, tu peux m'échanger contre un racaillou? Je sais pas si j'ai encore un Nidoran mâle dans mes boîtes. Quitte à faire l'échange tout de suite, hein. Voir si son racaillou a un surnom ou pas. Alors, boîte 1, non. Ouais, là j'ai un Nidoran mâle. On va déposer d'ailleurs les autres Pokémon. Je vais les mettre dans une boîte à part. Allez, boîte 7. Johnny Ball, non. Et Jonette Shiny pour moi aussi, laisser là.
J'ai sauvegardé d'ailleurs, on sait jamais, il peut y avoir un bug. Allez. Premier échange dans le jeu d'ailleurs. L'échange s'est bien passé, merci. Est-ce qu'il nous redemande? J'espère que tu prendras soin de mon petit racaillou. Tiens, peut-être un objet aussi d'ailleurs, non? Petit caillou, ok, Rocheter, John, jovial. Pas d'attaque particulière. Bon, on a échangé un Nidoran contre un racaillou. Et c'est vrai que ça m'avait manqué en vrai, je croyais qu'il avait pas mis les échanges, vu que j'en avais pas vu à Johto. Enfin, à Johto, à Kanto. Mais apparemment, ils sont déjà à Johto. As-tu déjà visité la tour Shitfleur? C'est un lieu très spirituel. Elle se situe à Mobile, tu devrais la visiter. Je suis tellement proche de mon mari que j'ai l'impression qu'on est de vraies jumelles. C'est un mari. Tu peux soigner tes Pokémon en les donnant à l'infirmière, mais une équipe en bonne santé, c'est plus important. Il existe de nombreux livres qui parlent de la mythologie Pokémon. Sais-tu quel Pokémon serait l'origine de toute chose? Incroyable. Cette ville fleurit en ce moment. Ouais, vrai, je pense qu'il parle à tout le monde, il y a des herbes. C'est propre ça, des herbes. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? C'est dans une bulle, ouais, je pense que t'as des funettes, des ratatas, des choses comme ça. Peut-être des roucoules. Bon, en vrai, j'ai peut-être un peu XP, un peu trop XP, vu que j'ai monté funettes et jeunettes niveau. Non, et jeu sirène. Au niveau 8. Parce que là, je vois que les Pokémon sauvages sont quand même. Enfin, les Pokémon sauvages et ceux des dresseurs sont niveau 4-5. Bon, après, ça m'évite d'XP pour la prochaine fois. Coxy. Je trouve que ça m'intéresserait bien d'avoir un Coxy aussi. Bon, il est pas super puissant, mais pourquoi pas. C'est quand même un bon Pokémon. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Allez, qu'est-ce que je peux rencontrer dans ces herbes? Ratata, bon, je m'en doutais un peu. Niveau 6, quand même. Et là, Krabby. Ok, ça peut être bien, Krabby, c'est vrai. D'ailleurs, je vais peut-être faire une attaque, parce que normalement, il est type sable. Donc, je vais voir si le type vol est efficace contre le type sable. Ouais. C'est parfait. Pas beaucoup de dégâts en vrai, je m'attendais à plus. Et lui ça va aussi, il me fait pas tant de dégâts que ça. Je pourrais le prendre, c'est vrai, mais j'ai déjà joué sirène. Et je vais réellement, j'ai un autre Pokémon aussi que je prendrai à un moment. Oh, Colorior. C'est un Colorior. Ce Colorior se comporte comme un être humain. Griotte s'appelle ainsi parce qu'il y a très longtemps il y avait un concours annuel où on jetait des noyaux de griotte. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Allez, route 3, en espérant qu'on puisse rencontrer aussi des Pokémon assez sympas. J'aurais bien un petit Malos. Niveau 8, ah oui. C'est moi où le niveau il augmente de niveau à chaque route. C'est possible. Hein. Ça va, sécrétion. Ça, il faudrait que je fasse gaffe parce qu'il peut avoir Darnuée. Pas Darnuée, Darvena. Darnuée peut-être aussi d'ailleurs. Non, c'est plus à la guerre d'Arnana qui pourra avoir ça. Encore des arbres ici. Coxy, bah, moi qui en voulais un. Hein. On va voir si on le tue pas. Ça va, pour moi il résiste. Ultrason. Après, le problème c'est qu'il a pas de bonnes attaques et vu qu'on n'a pas de CT. C'est assez contraignant. Allez, une petite Pokéball. En plus, ça va bien avec sa couleur rouge. Allez, voilà, Coxy attrapé. Insecte vol, ouais. Pas de changer de type. Joxy. Modeste. Ça va en vrai, vu ses stats. Bon, je verrai lui, je sais pas vraiment si je vais le prendre dans l'équipe. Encore un échange? Je cherche un sablette de la région, mais je n'arrive pas à en trouver un. Si y'en a un, tu m'échangerais contre un sablette de ma région? Ouais. On peut trouver des sablettes ici? Je crois qu'il est un peu plus bas, sablette. Ah ouais, on peut en trouver ici. Bah je me demande si un sablette de Kanto ça passerait pas aussi. J'essaierai entre les épisodes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges en vrai. Mais un sablette de sa région, donc c'est peut-être un sablette d'Alola.
À voir. Ça pourrait être sympa, en vrai. Je vais rester entre les épisodes. Bon, quoique, peut-être avec vous. Je sais pas si j'ai encore un sablette quelque part. Sinon, faudrait que j'essaie d'en attraper un. Granibol, on va quand même le battre, puisqu'il permet d'obtenir pas mal d'XP assez facilement. J'espère qu'il a pas encore synthèse, ça serait cool. Ah oui, c'est vrai que... Ok, la synthèse, donc c'est mort. C'est vrai qu'il est type air plante. Donc vol, c'est pas efficace, c'est pas efficace contre l'air. Sinon, ça aurait fait des dégâts neutres. Ou même super efficace, si c'était neutre. Oh, carrément. Mon Germignon est vraiment trop mignon. Quand il secoue sa feuille dans tous les sens. Oui, il est vraiment mignon. Une minute, tu possèdes la Pokédex? Oui, le Pokédex est vraiment un super outil. Grâce à lui, j'en apprends énormément sur les Pokémon. Tu es une assistante du professeur Orme? Oui, je suis Célesta. Enchanté de te connecter, tu m'appelles Dr. Chips. Je suis moi aussi un détenteur du Pokédex. Oh, c'est génial. Dis-moi, cela te dirait de faire un combat Pokémon? Qu'en dis-tu, Germignon? Mon Germignon a l'air motivé. Faisons un combat entre amis. Alors, les premiers combats contre un rival. Bon, cet épisode risque d'être long en vrai. Bon, allez, la reprise. Et c'est peut-être pas le meilleur truc en vrai. Il peut avoir une attaque plante. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Trancherbe, je pense pas. Peut-être Fouillane déjà. Feuillage. Ouais, ça va aussi. En vrai, il me fait pas beaucoup de dégâts, ça va. J'ai de la chance, c'est niveau 8. Ah ouais, quand même. J'essaierai peut-être d'XP quand même mes Pokémon jusqu'au niveau 10 après. Faut oublier que j'ai que 2 Pokémon sur moi. Ah non, j'ai 3 que je coxie aussi. C'est vrai que je capture avant. Plus rapide. Je croyais que Germignon était assez là. Founette, carrément, duel de Founette. Qui aura le meilleur Founette? Bon, apparemment, c'est moi. Allez, il attaque. Zut. Je m'attendais à perdre. Je ne suis pas très doué pour le moment. Mon voyage vient à peine de commencer, je m'amuse déjà comme une folle. Je dois te laisser, je vais soigner Germignon et Founette. À la prochaine, Dr. Chips. Ok, bon, comme dit moi, j'ai quand même envie de récupérer. Il y a des dresseurs ici. Bon, allez, on y va. Jonette, tes vêtements sont particuliers. Léo, on discute pas mes goûts vestimentaires. Oh cool, niveau 9. Bon, vive attaque. On sait jamais, il peut aussi avoir vive attaque. Il fait quasiment autant de dégâts, j'ai l'impression. À coup critique, c'est parfait. Je crois que Fouinette en plus évolue assez rapidement. Niveau 15, il me semble. Il y a encore des dresseurs par là. Kefabek, niveau 7. Ah oui, mais en vrai, Code Sauvage, c'est un bon niveau déjà. Je peux même pas m'échapper. Gek, confort. On va pas parler à tout le monde, en vrai. Je ferai peut-être ça lors du prochain épisode ou entre les épisodes. J'ai quand même un peu envie d'avancer dans l'aventure. Oh, un œuf. C'est un œuf Pokémon, incroyable. Oh, qui êtes-vous? Je suis Dr. Chips, j'explore la région pour trouver des nouveaux Pokémon. Une formidable quête que voilà. Je suis Monsieur Pokémon, enchanté de te connaître, Dr. Chips. Dis-moi, est-ce que tu t'y connais en œuf Pokémon? J'en ai vu un seul lorsque j'étais plus jeune. Chaque œuf possède une texture différente, suivant le Pokémon à l'intérieur. Il prend naturellement les couleurs du Pokémon qu'il contient. C'est fascinant. J'ai un œuf particulier que j'ai examiné avec le professeur Orme. Il n'avait jamais vu un œuf ayant ces textures apparemment. Il m'a demandé de marcher jusqu'à ce qu'il éclose, mais je dois t'avouer que étant trop vieux pour que je dois avouer être trop vieux pour m'aider avec lui. Mut, tu es un dresseur qui a l'air dynamique. S'il te plaît, prends l'œuf avec toi et fais-le être l'or. Allez. Cet œuf mystérieux de on l'a direct sur nos dieux, du coup. Ah ouais, propre. Bon, lors du prochain épisode, il aura peut-être déjà éclos. Je pense que je ferai déjà les pas nécessaires pour faire éclore. Ah, il fait beau. C'est parfait. Vite fait, aller me soigner quand même parce que mes Pokémon sont assez HS. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Je vois qu'on est à 28 minutes. On pourra s'arrêter là. J'ai la bicyclette. Au pire, on peut déjà la prendre. Ça fera gagner un peu de temps. Je peux déjà passer ici aussi. Ouais. Ok, maintenant, je crois que je suis même pas rentré là-dedans. Oh, mais tu n'as pas de boîte pour écouter des magrumes. Prends ça. Boîte magrumes. Moi, nickel. Ah, cette boîte, tu peux récolter facilement les dragons quand tu trouves. Ok, bon, je vais quand même voir si j'ai pas un sablette. Au pire, on fera vite fait ça à la fin de l'épisode. Sinon, s'il faut vraiment capturer un de cette région, je vais d'en capturer un dès qu'il y en aura de dispo. Mais ouais, il me semble pas que j'ai encore des sablettes dans mes boîtes.
tablette. Là, non. Là, j'ai pas l'impression. Là non plus. Ici non plus. Et peut-être que j'en ai un shiny, je ne sais pas. Ouais, j'en ai un shiny. Est-ce qu'on lui donnerait pas le sablette shiny? Je sais comment il le voit. On va le prendre sur moi, pour moi. Le pire qu'il échange un shiny contre un autre sablette. Dommage que ça marche pas comme ça, genre on lui échange un shiny, il nous échange aussi un shiny. On lui fait sauvegarder, je vais regarder s'il donne un sablette alors. Parce que s'il donne juste un sablette avec un autre idée ou un sablette normal, c'est vraiment pas le coup. Et ça se trouve, ça marche pas en vrai. Ah, ok, donc le sablette de Kanto, ça marche quoi? Sérieusement, allons-y. Ah, c'est un sablette d'Alola. Prends soin de... Je prendrai soin des tablettes que tu m'as donné, c'est promis. Bah, t'as intérêt, il est quand même shiny. Glou glou. Glace acier et timide. Bon, un peu de nature de merde. J'hésite à le prendre en vrai. Comment c'est un sablette d'Alola, hein. C'est pas mal. Je crois que j'ai pas de pierre glace, en vrai, on pourra pas le faire évoluer. C'est ça qui est niveau 25. En vrai, je pense que je vais reset, comme ça je garderai mon shiny. J'essaierai de prendre un autre sablette ici dès qu'il y en aura dispo. Peut-être en attendant entre les épisodes, on verra. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.